On nous donne la fonction tangente que nous réduisons sur l'intervalle 0 pi tiers. Nous allons tourner cette surface hachurée autour de l'axe rouge des x dans la fenêtre 3D et c'est ainsi que nous obtenons ce solide de révolution dont nous allons calculer le volume. Pour trouver le volume de ce solide, nous avons cette formule à notre disposition, formule que nous appliquons de suite pour notre exemple, ce qui donne alors le volume de ce corps, c'est pi fois l'intégrale de 0 à pi tiers de la tangente de x au carré dx. Donc d'abord, nous allons calculer une primitive de tangente au carré de x. Puisque par définition, tangente de x est sinus de x divisé par cosinus de x, la tangente au carré de x, c'est la même chose que sinus au carré de x divisé par cosinus au carré de x. Par la formule fondamentale de la trigonométrie, nous savons que sinus au carré de x est égal à 1 moins cosinus au carré de x. Donc, il nous reste à calculer la primitive de cette fraction. Fraction qu'on peut écrire 1 divisé par cos carré de x moins cos carré de x divisé par cos carré de x. Donc cette fraction peut être écrite sous cette forme-là. La primitive de cette fraction, c'est tangente de x. Et une primitive de 1, c'est x. Voilà, nous avons trouvé une primitive de tangente au carré de x, c'est tangente de x moins x, que nous pouvons donc appliquer dans notre calcul. Ce qui nous reste à calculer, c'est donc pi fois la variation de cette primitive trouvée de 0 à pi tiers. D'abord, nous remplaçons x là et là par pi tiers. Ça donne tangente de pi tiers moins pi tiers. Ensuite, nous remplaçons le x là et là par 0, ce qui donne tangente de 0 moins 0, c'est-à-dire 0. Donc, il nous reste ce calcul-là à effectuer. La tangente de pi tiers, c'est racine carrée de 3, et en distribuant le pi sur ces parenthèses, nous obtenons comme réponse finale, c'est-à-dire comme volume de ce corps, la racine carrée de 3 fois pi moins pi au carré divisé par 3, ce qui donne à peu près 2,15.